Alors, pour aller dans cette même lancée, il faut dire également que l'École supérieure de commerce et de gestion des entreprises de Subdeco a fait de ce jour un grand jour de festoiement, mais la préparation fait que depuis le début de la semaine, les enfants ont pu faire des pré-soutenances, les enfants ont eu l'occasion d'expérimenter, d'essayer, d'aménager, n'est-ce pas, de travailler avec leurs encadreurs respectifs sur leur tenue, leur présentation, sur la maîtrise du stress, sur la gestion, n'est-ce pas, de l'art oratoire. Ils ont été formés là-dessus et puis on a pu l'expérimenter au cours de cette journée dans notre jury en particulier. Nous avons travaillé dans le jury de gestion logistique et transport. On a également les étudiants en comptabilité et gestion. Il nous est revenu que même les étudiants de banque et finance, marketing, commerce, vente, ont été à la hauteur du challenge. Nous allons encourager davantage, n'est-ce pas, les élèves et les étudiants et les parents qui nous font confiance. Et en leur disant, ce n'est qu'une étape qui est passée. Il faut continuer à aller de l'avant afin que le résultat final du BTS à partir du 31 mai soit une apothéose, soit la matérialisation écrite, n'est-ce pas, de ces moments de travail, de ces moments pratiques, parce que le BTS ne se limite pas à la soutenance. Donc voilà ce que je peux dire pour vous remercier ce moment.